Bonjour, bonsoir, bonne nuit tout le monde. Ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Et on est sur Légende Pokémon Arceus. Et le but de cette première partie de stream, ça va être de terminer l'histoire principale. Chose qui va arriver très très vite, je pense. Vu ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on a capturé Dialga. Palkia est apparu, on a fui parce que Palkia est hyper vénère. Et on est actuellement à Rusticité, dans la ville. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour calmer Palkia. On va bien voir. Réponse tout de suite en stream. Dans la deuxième partie de stream, on va attaquer le contenu endgame. Peut-être même dans la première partie, ça dépendra à quel moment va arriver le générique. On verra ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir Wedjos, je vois qu'il y a Wedjos dans le chat. Bonsoir Robert, j'ai dit bonjour à Robert pour une fois, j'y pensais. Bonsoir le petit Robert. Allez, on y va, c'est parti. Installez-vous tout le monde. Prenez un petit café, un petit thé, un petit chocolat, un petit lait, cappuccino, macchiato, peu importe, une petite boisson chaude, un peu d'eau à côté, un plaid, un bon coussin. Installez-vous, c'est parti pour une bonne partie de la nuit ensemble. Et je suis au contrefort couronné. Et la dernière fois qu'on s'était quitté, j'avais fait une petite mission secondaire avec un Obali qui roule. Là, de suite, il faudrait aller à la grotte préhistorique pour aller continuer l'histoire. Mais avant ça, quand même, avant d'aller continuer l'histoire, on va aller chercher les colis. Chronopost UPS n'attendent pas. Moi, je livre les colis en temps et en heure. Avec mon petit oiseau, on va essayer de faire mieux. S'il y a des flammes, criez. S'il y a des arbis, criez. On va faire mieux. Non, on voit pas pour le moment. Parce que dans le contenu endgame, bien sûr, on va farmer les arbis. On va farmer les Pokémon, il va falloir faire le Pokédex national. Peut-être pas faire toutes les tâches du Pokédex, mais il va falloir avoir tous les Pokémon du Pokédex, ça c'est sûr et certain. Oh, je vois le colis en bas là. Ouais, il est là. Hop là, on repart. Et de 1. Le deuxième est près de la grotte préhistorique. Donc on va aller là-bas. On va aller chercher le colis. Je sais pas si je vais plus vite en oiseau, si je vais plus vite sur d'autres montures. Je ne sais pas du tout. Ah bah il est derrière moi le colis en plus, il est là-bas. Forfurex, c'est parti. Ah, je le vois. Avec un dessous de plat vénère. Il n'a pas été nettoyé. Un beau dessous de plat vénère. Ça, c'est fait. Maintenant, on va là-bas. Tout droit là-bas. Des aquapoques. Je sais pas si j'en ai capturé des aquapoques. Je me souviens pas. Ah. On récupère ce qu'il y a à récupérer. Et ensuite, c'est vraiment. C'est entre le falaise et la temple. Et le temple. Hein. Entre la falaise et le temple. Il faut aller. Rex, attention. Hop.
suis loin. Je suis un peu loin. Dégaler. Ça m'étonne de pas croiser de flamme. Je sais qu'il en manque pas tant que ça. Contrefort couronné, j'ai noté. Il me manque 4 flammes au contrefort couronné, j'avais noté. Le colis est là-bas. Le colis est par là. Ah, je le vois. Hop là. Et voilà. Maintenant, direction la grotte préhistorique. C'est quoi ces trucs là? Il y a des runes. On y était déjà allé là? On y était déjà allé, oui. C'est ici où il y avait la faille. Mais par contre, je vais pas passer plus de temps que ça ici. Je crois que j'ai croisé un simul-arbre pas loin. Je sais pas si j'avais capturé le simul-arbre, le seul qu'on avait déjà croisé. Il me semble pas. Nickel. Ah, Voltorb de 8-8. Bon, qui dit ruine dit... probablement un zarbi qui traîne. Reste à savoir où. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de zarbi ici? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de zarbi. Il n'y a pas de flamme. Il y a un Tarinor. Pardon, je voudrais passer. Ah, je peux pas. Je ne peux pas passer comme je veux. Là, un petit coffre. Avec une Pokéball et tout. Il n'y a pas de zarbi, il n'y a pas de flamme. Il y a forcément quelque chose ici quand même. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait rien? Ah ben tiens, le voilà. Alors attendez, je vais essayer de me poser, si j'y arrive. Le truc c'est que le guerrier, hop là, voilà. Je voudrais grimper, je peux pas. Sérieux? J'ai oublié de remonter comme ça. Ah, quand même. Voilà. Et d'un zarbi supplémentaire. Et les zarbis, je suis à 19 sur 28. C'est bien. Une belle avancée. Une belle avancée. Aïe. Vite, 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 vol. Vol, 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 vol. Bon. Les zarbis, c'est fait.
Donc il y avait bien un Zarbi, j'ai bien fait de chercher. Maintenant, direction la grotte qui est. Bah elle est où? Elle est là. Et il y a une flamme. Il y a une flamme. Donc, mon couronné, il me reste 3 flammes. C'est ça. C'est bien. Je crois qu'il m'en reste 3 aux plaines, 5 sur la côte, 7 à Frimapic, 3 au mont couronné. Par contre, au mari, j'ai encore 11 flammes à trouver, de ce que j'avais noté. Bon, la grotte, elle est en dessous. C'est quoi ce truc là dans le mur? Il y a un bout de bâtiment dans le mur. J'ai presque envie de jeter une Pokéball pour voir si c'est pas un Pokémon. Allez, on y va. Ah oui, c'était là. Ah, il y a 2 entrées en plus. Et là, il y a des choses rouges. Mais c'est pas les choses de la chaîne rouge, ça? Natacha, quelle atmosphère troublante. Je ressens une force extraordinaire. C'est comme si le monde avait été créé ici. Qu'est-ce que t'en penses, Eliane? Ce que j'en pense? Mais quelle question. Grâce à mes connaissances en minerai, mes techniques de recherche et les capacités de Colimucus, il n'y a aucun doute. Vous pouvez me faire confiance. Minute, Papy Lord. Ing. Ah, les voleuses, ça faisait longtemps. Qui sait encore, on n'a pas de temps à perdre. Garance, je t'avais pas revu depuis que t'as quitté le clan Diamant, qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde pas. Ne faites pas d'histoire, récupérez le trésor et donnez-le nous gentiment. Vous avez l'air surpris de nous voir, on vous a suivi, c'est tout. On cherche pas ce trésor parce qu'il est précieux, on en a besoin pour que le ciel reprenne sa couleur normale. Visez un peu la chef, raide comme la justice. Je sais pourquoi j'ai quitté le clan Perle, pas étonnant hein. On s'en fiche de ce qui vous a poussé à quitter vos clans, vous toucherez pas un cheveu d'Elian. Nous aussi on est 3, ça tombe bien. Jake, tu t'occupes de Constance. Bien sûr, la plus forte. Je suis Constance, je suis l'aîné. Allez, vas-y, alors recommencer. Le pain est mon symbole, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Prépare-toi pour un combat qui n'a lieu qu'une fois dans une vie. Ça fait juste 4 fois que je te combats, madame. Deux Pokémon. Mon fameux Rhinophéros. Il a pris quelques niveaux son Rhinophéros. Hein. Bon, ça va, j'en question. J'encaisse moins le coup là. Là c'est... Et le fameux ectoplasme. Combat terminé.
Garance, tu veux pas revenir au clan Diamant? Les temps changent et nous aussi, on aurait bien besoin de tes talents. Tu rigoles, plutôt mourir que de vivre à la botte d'un clan. On vous laisse le trésor, mais vous avez intérêt à redonner une couleur normale au ciel. Fort comme tu es, je suis sûr que tu réussiras à affronter le monstre qui est apparu sur le mont couronné. Mais la prochaine fois qu'on se croisera, sache que tu ne t'en sortiras pas à si bon compte. Pouf! Ninja. Franchement, elles avaient rien de mieux à faire. Allez, je vais soigner vos Pokémon. Hermance a toujours été comme ça. Elle se plaignait tout le temps, mais elle n'hésitait pas à aider ceux qui en avaient besoin. Au fond, si les sœurs sont venues, c'est peut-être parce qu'elles se faisaient du souci pour nous. Si c'est le cas, qu'elles le disent au lieu de jouer les durs. Ça y est, j'ai récupéré le minerai, le fameux minerai origine. Jake, je te le confie. Et je reçois un fragment du minerai origine. Les légendes racontent qu'il renfermerait le pouvoir du grand Sino lui-même. Finalement, c'était pas si dur. Et là, tout d'un coup, il va y avoir un cliffhanger. Et grâce à qui? Grâce à moi et à mon talent. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour me féliciter? Bravo Elian, toi le meilleur. T'es pas devenu le gardien de Shikator par hasard. Faut qu'on aille tout de suite montrer ça au professeur. Il a beau être bizarre des fois, il est quand même toujours de bons conseils. Direction le professeur à ce fameux nouveau bivouac. Mais avant ça... Ah! Je crois que j'ai trouvé ce qu'on va faire. Il veut pas manger? Il tente de capturer le baron. Voilà, star énorme, c'est fait, ça fait un Pokémon dans le Pokédex. Ça, je suis content. Et je voulais aller où déjà? Je voulais aller quelque part, il y avait des Pokémon que j'avais jamais capturés. C'était pas de si loin que ça. Là, bah, c'est en face. C'est tous les Pokémon liés au mucus. Ouais, ils sont là. Ah punaise, je me suis fait voir. Hop là. Allez, on combat ce truc. Quatox. Cette chance. Oh, de... capturer alors le baron qui a là, je voulais le capturer. Il réagit pas. S'il réagit, il réagit. Il m'a pas vu. Vite, 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 vite. Il m'a pas vu. Ah, punaise, il m'a vu. Et il y a l'autre derrière qui m'a vu. 70. Aïe 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 aïe. J'avais pas capté qu'il était niveau si élevé.
Il m'empoisonne. Non. Il y a des gars. Le fameux close combat qui le revient. Allez, on va éliminer le Quadjot. Voilà, Quadjot, il frappe mal. On va y mettre le Typhosion, tant pis, c'est juste le temps de tempo un peu. C'est que des choses efficaces, mais il y a quand même une sacrée différence de niveau. J'espère ne pas le mettre KO. Ok, là, ça va. Au revoir. Non. Punaise. Petite mâchouille, petite. Pas mal. Oh, il résiste. Bien. Je tente la capture, attention. Retente la capture. Yes. Ça c'est un Pokémon tard en moins à attraper. Et là-bas il y avait un Cradopo que je n'ai jamais capturé. On va s'en occuper. Il y a des Pokémon boués aussi que j'ai pas capturé. Ah bah il y a un Cradopo vénère là. Là-bas il y a des Quatox. Ils sont là-bas les Pokémon boués, ils sont de l'autre côté. Les Mucus. Il m'a pas vu. Il ne m'a pas vu du tout. Voilà. Cradopo c'est fait. Au moins je sais que je vais débloquer une nouvelle mission secondaire que je n'avais pas débloquée jusque là. Je suis tombé. Je suis tombé comme un nul. Il me manque l'évolution intermédiaire du Mucus que je n'ai pas. Là, vraiment le Pokémon boué, celui que j'appelle le Pokémon boué. Je l'avais déjà croisé par ici. J'espère qu'il va revenir un jour. Mais d'ici là, direction le bivouac. On va se soigner. Hop là. Alors. On dirait que c'est bien la pierre à l'origine de l'univers, le minerai origine. Est-ce que vous ressentez comme moi sa puissance? C'est celle du commencement. The birth of the universe.
The... Merci Adamant. Merci. Vous savez bien qu'on parle pas votre langue natale, professeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, donc le professeur viendrait de... la région de l'épée bouclier. Parce que la région de l'épée bouclier s'est inspirée un peu de l'époque... enfin, de l'Angleterre, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la naissance de l'univers. Bref, rentrons au village. J'aurais dû lui faire un accent anglais dès le départ au professeur. Voilà ce qu'il reste de la chaîne rouge, professeur. Merci, même si la chaîne n'est plus entière, ces fragments devraient suffire. Dès que c'est ton tour par ici, la pierre à l'origine de l'univers. Vous remettez le minerai origine. Malgré les risques que ça comportait, le clan Perle a ramassé les fragments de la chaîne. Et le clan Diamant, accompagné d'Elian, nous a renseigné sur la pierre à l'origine de l'univers. Enfin, c'est au tour du groupe Galaxy de jouer son rôle en créant un réceptacle adéquat avec la Master Ball. Allez Lucia, montre-nous que ta réputation d'artisane exceptionnelle est bien méritée. Regarde Jake, je ne me bats peut-être pas mais je peux me rendre utile à ma façon. En revanche, cela va prendre un petit moment. Vous devriez en profiter pour discuter tranquillement tous ensemble. On va faire un Scrabble. Mais pourquoi ça prend autant de temps? En fait, ton histoire du temps qui est précieux, c'est juste pour cacher ton impatience, c'est ça? Mais pas du tout. Si attendre que le temps passe régler les problèmes, je le ferai avec plaisir. Mais c'est pas le cas, donc le temps est précieux. On joue au roi du silence. Ah! Jake, on a réussi. Oui, did it. Je vous présente l'Origin Ball. La Master Ball. Si on en croit le message qui nous est parvenu, elle devrait nous permettre d'attraper celui qui est apparu au temple de Sinnoh. Ah non, c'est pas du tout une Master Ball en effet. Par contre, elle a un super design. Elle est vraiment chouette. Origin Ball, une Pokéball singulière et unique qui permet d'attraper le Pokémon prix de frénésie au temple de Sinnoh. Quand je pense qu'un objet aussi minuscule peut sauver tout ici, les Pokéballs sont vraiment fascinantes. Puis c'est fou de se dire qu'en attrapant un Pokémon de cette manière, on peut tisser des liens avec lui. Il y a encore plus de pubs qu'avant. Mais j'ai désactivé les pubs. Attendez un peu, la voix, j'entends encore la voix. C'est Dialga? C'est ça. Il dit qu'il va nous prêter sa force. Mais il est dans... Je l'ai capturé en fait. On n'aurait pas pu espérer mieux. Le grand Sinnoh du clan Diamant Dialga va nous aider. Jake, prends vite l'Origin Ball et rends-toi au temple de Sinnoh avec Dialga. Il va falloir que je le mette dans mon équipe. Ah là là. En attendant, mission seconde. Regardez où je suis sur la carte. Sérieusement. Je suis ici. Et hop, je suis dans le bâtiment. N'importe quoi. Bon, la pub devrait être terminée là, je pense. Par contre, les pubs sont désactivées. Elles sont censées être totalement désactivées, les pubs. Vraiment. Donc là, c'est bien ce que je disais l'autre fois. C'est si on ne décide pas, nous, de contrôler les pubs sur Twitch, c'est Twitch qui contrôle les pubs à notre place. Mission secondaire, un remède à base de venin. Oui, on va lui demander, elle est à côté. Et enfin, une petite soif, un simularbre qui n'arrive pas à retrouver la forme au bivouac de la friche. Ok. Mission 36. J'ai bien fait de capturer le simularbre. Bonjour madame. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne un crado pot? Bah j'en ai un.
Il a dit oui, je crois. Ok. Monsieur Lombal qui a mal de dos, Lombalgie, mal de dos. Petit jeu de mots, hein. Ok, une mission secondaire de fait, parce que c'était juste à côté. Ça, c'est au bivouac de la friche, il faut juste que je lui parle. Le bivouac de la friche, c'est au marais, je crois. Ouais, c'est ça, c'est au marais. Mais on ira peut-être après. On va peut-être voir si je peux trouver des récoltes, s'il y a des récoltes à faire. Attendez, je note. À 34, elle est faite. Hop là. J'ai combien d'argent? Beaucoup. Et les sacs coûtent cher. Et j'ai besoin encore de sûrement acheter des compos, des potions, tout ça. Sauvegarde encore. Eh mais attendez, regardez qui voilà. Non, je te rien, vends rien du tout. Tu m'as attaqué, je te rappelle, monsieur. Alors. 32 noix grumes. Ah. Je continue sur les noix grumes. Bien. Let's go. Bonjour madame. La bataille s'annonce terrible au mont couronné. Es-tu prêt à y aller? J'y vais. J'ai pas d'Yalga avec moi, je le précise. Le temps et l'espace sont deux éléments indissociables. Palkia, le Pokémon qui est apparu au temple de Sinnoh, est celui qui dirige l'espace. Si on le laisse ainsi, l'espace de l'issue risque de se distordre et d'entraîner la fin du monde. Mais Dialga, le Pokémon qui dirige le temps, t'accompagne. Tout espoir n'est donc pas perdu. Car réunir le temps et l'espace permettra de rétablir l'équilibre nécessaire à la sauvegarde de notre monde. À présent, va au temple de Sinnoh et accomplis ta mission avec l'aide de Dialga. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, oui, je mets Dialga dans la map. Oui, c'est bon. Dialga, je te déplace direct dans la boîte importante. Comme ça on vire le cap humain. On te remplace. Désolé Boscara, encore une fois. Hein. Désolé. On refait pour la troisième fois la même cinématique. En tout cas, je dois dire que votre petit village m'est fort sympathique. Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil au magasin de vêtements. Pourquoi? Vous croyez que c'est le moment à faire les boutiques? Je ne pourrai plus le faire si le monde vient à disparaître. C'est pas faux.
dès que tu te sentiras prêt, partons pour le temple de Sinnoh. Mais je dis oui, allez-y, on y va là. C'est bon, les pubs sont finies. Je demande. J'espère. Alors, faut y aller en fly. Tout le monde est heal. Tout le monde est heal. On va récupérer ça vite fait. Voilà. J'ai plus trop de place dans le sac, faudra faire attention. Donc, d'abord le monsieur, j'ai des choses à lui vendre. On va lui vendre ce qui ne me sert pas. Ça, je les aime pas, les graines maîtrise, vraiment, ça m'intéresse pas, quoi. L'XP et tout ça, on garde. Ensuite, on va au coffre, on dépose tout ce qu'il y a à poser. J'ai pas envie de mourir. Enfin, si, je vais peut-être mourir, donc j'ai pas envie de tout perdre, plutôt. Et le reste, on garde. Le reste, on garde. La petite sauvegarde. Allez, c'est parti. C'est qui m'a aggro? Les Electek là? J'ai pas capturé les Electek non plus, faudra y penser. Hein. Percupio, il m'attendait, qu'est-ce qu'il veut? Évidemment, tu peux faire des achats au bivouac, mais je me dis que ce serait plus pratique, blablabla. Ben, je viens d'y aller en fait. Je compte bien être aux premières loges pour voir le monde des légendes se dévoiler sous mes yeux. En fait, t'es pas net, toi. Tu peux être sûr que je me rapprocherai autant que possible quand le combat commencera. Ah ouais, Percupio. Percupio, c'est un traître. Oh non. T'en fais pas pour moi, je suis parfaitement capable de me défendre. Et puis connaissant ta force et celle de tes Pokémon, tu auras certainement réglé la situation avant même que je puisse être en danger. Il fait semblant d'être un gentil, mais en fait c'est un traître. Percupio, punaise, c'est mon personnage préféré, sérieux. Là. J'ai longtemps pensé que pour protéger Rusticité, je devais éliminer tous les gêneurs, que ce soit toi ou le Pokémon du temple. Mais tu m'as montré que je faisais erreur. Ceci étant dit, es-tu prêt pour le combat? Marchons ensemble vers un nouveau lendemain. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une expression du clan Diamant, c'est notre manière de souhaiter bonne chance. Il faut croire que le clan Diamant dit de bien belles choses parfois. Sache que nous sommes derrière toi, même si je pense que tu n'auras pas besoin de notre aide. Protège le temps et l'espace de tous les habitants de Hisui et des Pokémon. Les tongs qui rentrent dans le carrelage, dans le marbre. Ça. Salut Palkia. Alors Palkia, pendant que je faisais mes petites affaires, il a pas bougé. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Oh non!
Oh! Explosion du temple. Ça, je m'y attendais pas. Le temps et l'espace. Hurle-t-en ! Temps ! C'est quoi cette forme du Palkia là ? On dirait Pégase. Il m'a TP. Oh punaise. Non ! J'étais à la fin ! Bon, j'ai fait quand même 3 phases avant d'être KO. C'est relativement simple. Il y a la 1, 2, 3, 3e ou 4e monarque. 1, 2, 3. La 4e monarque m'avait posé beaucoup plus de problèmes. Je peux pas l'envoyer une Pokéball, ce serait plus simple. Non mais ça me fait permettre d'économiser. La chaîne rouge. Alors, t'as réussi. Tu l'as attrapé. Eh oui, capture réussie. Il est bien dans l'Origin Ball. Bravo, Jake. T'as été remarquable comme d'habitude. Là, j'ai un petit problème de cohérence de scénario. Mais je pense que c'est le même problème dans tous les Pokémon, en fait. À partir du moment où on capture les légendaires. Les légendaires, et quand même les fabuleux, sont censés tenir un équilibre ou permettre un équilibre dans plein de choses. Les capturer, ben, ça cause un déséquilibre. Donc ça me gêne un peu, en vrai, dans la cohérence de scénario. Quel soulagement. J'ai toujours aussi doué. Point d'exclamation. Mais vous pleurez, Cormier ? Je m'attendais pas à voir ça un jour. Je suis si heureuse d'avoir pu voir ça. Ninja. Aïe, mais ça va pas la tête.
Je voulais m'assurer de ne pas rêver. Écoutez-moi bien. Nous avons fait face à des difficultés sans précédent que nous avons réussi à surmonter en unissant nos forces. Je pense qu'il est important de célébrer cet heureux dénouement en organisant une kermesse. Ah non, une grande fête. Réunissons les clans et les habitants du village et célébrons tous ensemble. Faire une fête avec le clan Diamant? Nos deux clans ensemble? Après tout, ça sert plus à rien qu'on se chamaille pour savoir qui vénère le vrai grand Sino, vu qu'on sait maintenant qu'il y en avait deux. C'est du passé tout ça. Ça va surprendre nos ancêtres qui se faisaient la guerre, mais c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire pour protéger cet espace qu'on partage tous. Nous allons fêter ensemble ce nouveau départ pour tous les habitants de Yisui. Mais c'est pas fini. Le Smartius va réagir. Ah non. Oui, je voulais... Eh oui, faut que je rentre chez moi. Pourquoi j'ai fait un sourire? Pourquoi mon perso a fait un sourire? Légende Pokémon Arceus! C'est l'heure du générique. Ah, l'histoire principale est terminée. Je vous laisse avec le générique et je reviens après.
Me revoilà. Oh, ça va, il était pas si long ce générique. J'ai pas pu capturer l'image de fin qui était très très belle. Je suis un peu déçu. Bon, l'histoire principale est terminée, mais c'est pas terminé pour autant dans tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Et oui, on le voit, le Marseillus réagit. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Et me voici à Rusticité. Pourquoi ils me disent que la quête, il faut que je retourne au temple de Sinnoh? Après la fête, quitter le logis. Ah, c'est bon, c'est la quête qui s'est mise à jour. Okay. J'ai pas vu que mes items se posaient là. Bon. Point mission. Ça c'est fait. Il faut juste quitter le logis. Maintenant il va falloir up le Pokédex. La faille spatio-temporelle a disparu et je suis bloqué à Issui. Bon. Alors, dans les missions secondaires, il va falloir qu'on s'occupe de Seriflore. Il va falloir finir les flammes, finir les arbis. On va aller au bivouac de la friche aussi pour tout ce qui est lié au simularbre. Et voilà. Là, mon objectif de ce endgame, c'est les missions secondaires, les flammes, les arbis. Enfin, tout ce qu'il y a à faire en fait. Là, j'ai plein d'objectifs différents. Mais l'histoire continue un peu quand même. Parce qu'on a eu Dialga, Palkia, mais Arceus. Arceus, il est pas là. Pas encore. Bonjour, Jake. Arceus, il vient de sous-entendre en fait qu'il faut capturer tous les Pokémon pour que lui apparaisse. Alors ça y est, la faille spatio-temporelle a disparu. Dans ce cas, nous pourrions reprendre tranquillement le travail sur le Pokédex. Allons discuter de la suite des opérations dans le bureau de Selena. Rejoins-nous là-bas, d'accord? Alors, bah, j'ai juste allé au bureau de Selena. D'accord. L'eau de solution furtive, 2000. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il me donne? 5 flacons de solution furtive. Ah mince. Enfin, ça, c'était des... pas... Non, je me suis peut-être fait avoir là. Bon, c'est pas grave. On va changer de coupe de cheveux. Tant qu'à faire. Alors, une coupe courte, une queue de cheval, non. Attaché, non. Rasé, non. Ré au milieu, non. Sur le côté, non. Coupe au bol futuriste, au secours. Mèche sur le côté, non. Coupe extravagante. Ah, il a un mulet, quoi. Ondulé, non. Coiffure traditionnelle, non. Presse, non. Coupe courte futuriste. D'accord, il n'y a aucune coupe que j'aime en fait. Aucune. Mais vraiment aucune. Je vais laisser ça. Et je vais me mettre... Je vais faire une couleur. Ça c'est rose ça? Eh ben. Blond beige. Noir, cheveux noirs. Ça c'est les yeux. Hein. Et voilà. Bon, mais j'aurai aucune coupe de cheveux qui m'intéresse. Il t'a juste rappelé la mission de base car c'était sa première directive concernant Arceus. C'est un peu plus subtil que ça. Là, Arceus il dit clairement, enfin, il a pas réagi pour rien quoi. Arceus c'est va capturer tous les Pokémon et après je l'apparais. Oui, je vais remettre ma casquette. Bon, ensuite, je vais
ranger Dialga. Je veux re-récupérer mon... comment il s'appelle, c'est plus Orticus. Boscara. Oh, il y a un sécateur derrière. Je récupère Boscara. Dialga, il va là. Palkia. Oh, oui, Palkia, il s'est mis là. Okay. Je le déplace. En fait, je vais mettre en page 16. Je vais marquer tout. Je vais laisser tout ce que je veux garder. Ce sera plus simple. Hein. Tac. Voilà. Déplacer. Ça, ça sera les évolutions. Tac. Toi, tu vas là. Quillfish, Quillpick, je le laisse. Et ces trois-là, je les laisse là, les trois premiers. Non, je vais pas les laisser là. Je sais pas en vrai. Si, je vais les laisser là. Ils sont bien là. Ok. Alors. Tac. What? T'as mis un affi? Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Bonjour monsieur. Tes recherches avancent, donc ça va très bien comme tu peux le voir. Jean Charme, qu'est-ce qui t'arrive? Mon dieu, il va évoluer. D'accord. Encore un petit effort et tu deviendras un beau charmillon. C'est bizarre que ça, il a évolué comme ça. Il va y avoir une mission qui va pas. Mais il va avoir un Papinox comme prédit. On va voir. On va voir. Ah bah tiens, le tableau. Midi du clan Diamant m'a expliqué qu'elle avait été sauvée par un Pokémon mystérieux il y a bien longtemps. Il faut la voir. C'est la 92. 92, ça veut dire... C'est peut-être une mission légendaire. Et ça aussi, c'est... Ouais, ça aussi. Ça, c'est deux... Je crois que c'est deux missions liées à la... aux précommandes. Mais c'est lié à Shaymin et Darkrai. C'était les missions légendaires offertes avec les précommandes. Là, c'est une obligation. Il a un blend d'Alice. D'accord. Il s'agit d'une mission la plus importante, alors que écoute-moi bien. Il existe une vieille légende et il suit contant l'histoire d'un sombre cauchemar qui hanterait ceux qui marchent la nuit sur des chemins isolés. Terre à terre que je suis, je n'en croyais pas un traître mot, jusqu'à ce que je le vois de mes propres yeux. Je l'ai vu, j'ai vu le terrifiant Pokémon noir dont parle cette terrible légende. On raconte que sa puissance est telle que les personnes emprisonnées dans les cauchemars qu'il crée ne s'en réveillent jamais. Nous devons agir vite avant qu'il ne fasse de victimes. Il est... au mont couronné près de la falaise Calade. D'accord. Et de nuit. Ok. Bon, on sait ce qu'on va faire dans pas longtemps. Y'a d'autres trucs? La madame à qui parler, par contre, celle-là. Bivouac des plaines. Ok, voilà. C'est ce que je voulais savoir si elle reste au village ou pas. Donc il faut aller au bivouac des plaines. Il faut aller au mont couronné. Il faut aller au bivouac de la friche. Dans le marais, les flammes, voilà, on fait ce qu'on peut. Le sériflore, c'est pleine. Et en attendant, allons voir Selena. Bonjour. Avant toute chose, t'es-tu bien amusé durant la fête? Je l'ai même pas vue, la fête. Elle était où? C'est bien beau le jeu, ils disent on va faire la fête et tout, mais on a même pas vu la fête. Ils auraient au moins pu faire une petite cinématique pour ça. On l'a pas vue. Non, je me suis pas amusé. Je suis épuisé. Je vois. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde. J'en sais rien. C'est la première fois que je te voyais faire la fête. Vous confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, comment avance le Pokédex, professeur? Eh bien, je dirais que nous avons fait des avancées significatives. Néanmoins, il serait nécessaire de continuer à accomplir les tâches Pokédex.
Bien entendu, le problème est qu'il y a des Pokémon dont l'existence n'est mentionnée que dans les légendes de l'issue. Ah, on va avoir tous les légendaires. Oui, mais nous connaissons encore bien peu l'histoire et les légendes de l'issue. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Mais qui voilà, le professeur Shen? Ah non, Percupio. Pour ce qui est de l'histoire et des légendes de l'issue, vous pouvez compter sur moi. Pendant mon travail, enfin je veux dire, lorsque j'avais un peu de temps libre, il est pas net, il n'est vraiment pas net, j'ai parcouru les nombreuses ruines de Yisui afin de les étudier. Et je pense avoir des informations intéressantes au sujet d'un nouveau, enfin d'un Pokémon légendaire. Voilà qui est très prometteur, thank you. Voici ta mission. Apprends tout ce qu'il y a à savoir de Percupio, prête lui main forte si nécessaire. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à nous informer sur les Pokémon à notre façon. C'est compris, je vais m'installer au bivouac du plateau, retrouve-moi là-bas. Je voudrais parler à la dame en noir aussi, ça m'intéresse. J'aurais d'ailleurs une petite faveur à te demander, mais je t'en dirai plus sur place. Ok. Madame, Madame Selena, bonjour. J'ai beaucoup de tâches non rapportées. Dis-moi, ça te dirait d'amener des Pokémon du laboratoire pour t'aider dans les recherches? Oui! 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 Je t'y... Moussillon obtenu. Brindibou obtenu. Ça, c'est fait. Oui, on fait le rapport parce que j'ai l'XP à rattraper là. Et va falloir que je mette Moussillon et Brindibou dans mon roster. Allez, la 8ème étoile. On va chercher la 8ème étoile de suite. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Et de 8. Plus que 2. Petit cadeau à MP Discord. Je peux pas vraiment ouvrir le truc. J'arrive. Merci, c'est gentil. Mais à la base, c'était pour le poster sur Twitter, le screen de l'écran de fin. Le truc, c'est que vu que c'est. Bon, c'est lié à la fête, tout ça, j'ai dit qu'on l'avait pas vu, mais en fait, oui, on l'a vu via cette image. Mais vu qu'on pouvait pas du tout screen ça, ça veut dire qu'il y a un embargo dessus. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de poster cette image-là, liée au spoil, sur les réseaux. Donc tant pis, je me le gardais pour moi. Mais c'est très gentil, vraiment très gentil, je le garde pour ça, clairement je le garde pour moi. Je peux utiliser des propulse balls, qu'est-ce que c'est? C'est quoi des propulse balls? Des guérisons. Je me doute, mais j'ai juste un screen souvenir pour moi aussi. Nickel. Alors, j'ai pas du tout de. Je vais voir à la boutique c'est quoi des propulse balls parce qu'en fait je n'en sais rien du tout. Combien j'ai d'argent? Pas beaucoup. Attendez. Ah non, c'est bon. C'est parce que j'étais en roulade. Okay. Alors la boutique. C'est quoi des propulse balls, s'il te plaît, monsieur? Ah, il les vend pas. Donc va falloir que j'aille voir le monsieur du craft. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est moi qui... Ah oui, c'est moi qui ai mis... Le monsieur du craft... Toi, je viendrais plus manger des beignets de patates, hein. Tu m'as attaqué, t'es pas gentil. Et le combat de Lardy était plus difficile que Cormier, en plus. Ah, je peux acheter des ressources. D'accord.
là j'ai plein de méthodes que je peux acheter. D'accord. Je les avais déjà vu, je crois. Ça. Je peux pas, pardon. Je peux créer des morceaux d'étoiles. J'achète ça à 10 000 pour après me faire plus d'argent. Sérieux? Eh ben, bon, on sait comment gagner de l'argent ici. Bon, alors, des propulse balls, c'est où? Ah, d'accord, c'est la plume ball, mais en mieux. D'accord, ok. D'accord. Très bien. Très bien. J'ai combien? J'ai 10 en vol ball. Je vais peut-être faire quelques-unes des propulse balls. Je peux en faire que 5, je vais pas aller loin. Des hyperboles, il faut aussi des fragments de fer. Je vais laisser comme si... Allez, je les craft là. Voilà. Les rappels, je suis à 16. Les potions. Les potions, ça ira. J'en ai deux par contre dans le coffre des potions, c'est pas normal ça. Sauf qu'il faut des sacs de poussière, mais on sait à quoi servent les tessons. Ouais. Et les tessons, il y avait une mission secondaire qui m'en demandait. Et je les avais déjà rendus. Alors, petit point. On réorganise ici. Ça, ça va de l'autre côté. Non, attends. De l'autre côté, j'ai dit. Et ici, on réorganise aussi. Ça, ça va là. On réorganise. J'ai beaucoup d'XP là que j'ai jamais donné à mes Pokémon. Dans l'ordre, on me dit d'aller aux plaines. Et aux plaines, je sais que je peux faire évoluer un Evoli. Donc, je vais chercher un Evoli. Et on va le faire évoluer de suite. Donc ça sera fait pour le Pokédex. J'ai presque envie de récupérer plein de Evoli. Pour les faire évoluer de suite, en vrai. J'ai failli relâcher mon Musteflotte. Hein. J'ai failli faire cette bêtise. Ah, il me dit qu'il faut que je garde au moins un Pokémon. Bon, cherchons les Evoli. Là, il y en a un. J'ai déjà un Pyroli. Pyroli, on en a un. D'ailleurs, Pyroli, on te déplace de suite. J'ai un Pyroli. Tu vas avec la ligne ici. Les Arbi, on les garde pour y gonger. Les Evoli ici, déplacer, et déplacer. Boscara, déplacer. Et on récupère un autre Evoli, déplacer. Voilà. Maintenant. Il faut que j'aille récupérer des pierres. Je me souviens plus du tout. Il y a certains évolis, je vais pouvoir les faire évoluer rapidement, mais je veux une. Pierre feu, j'ai déjà un pyroli, j'ai pas besoin. Pierre foudre, j'en déplace un dans la sacoche. Pierre plante. Je crois que c'est la pierre plante dont j'ai pas besoin parce que je peux aller le faire évoluer de l'autre côté. Givrali, c'est fait. Pierre lune. Pierre lune, je sais plus. Pierre nuit, c'est pas de suite. Pierre aube, je sais même plus ce que c'est. On va déjà faire évoluer deux Evoli. Pierre foudre, utiliser. Allez.
Et Voltali, ça c'est fait. Ensuite, Pierre O. Et voilà, Quali. Ok. On revient à la garderie. Hop là, Voltali. Ici, Aquali. Ici, il y a des. Alors attendez, j'ai les trois premiers. Givrali. Il y a Philali en plante, mais je crois que je peux, j'ai pas besoin de la pierre, je peux aller directement sur le caillou. Nymphali, Noctali, Mantali. C'est les quatre qu'il me manque. Et j'ai besoin de deux Evoli sans aucune capacité fée. Et il faut que je les fasse éluer un jour à un nuit, mais je sais plus avec quelle pierre. Et un autre Evoli qui doit avoir déjà une capacité fée. Je crois que c'est ça. Donc là, ces Evoli là, je vais les mettre ici en attente. Et je vais en garder qu'un seul pour le moment. Typhosion, je te récupère. Musseboué, je te récupère. Encore une fois, Boscara, je suis vraiment désolé. Tu vas rester sur la touche. Tac. Voudrais que je fasse évoluer Kadabra aussi, un de ces quatre. Et donc je vois où sont les attaques. Non, j'ai dit qu'il y restait là. Les attaques qui doivent up. Donc Kadabra, point Pokédex, Kadabra. E, F, G, H, Ijika, Kadabra. Kadabra. Il faut qu'il fasse coupe psycho et plénitude 25 fois. Et après je pourrais peut-être le faire évoluer. Ouais, parce que là il veut pas évoluer. Bon, direction les plaines. Dans les plaines, question autour des flammes. Les flammes, il m'en manque 3. Ouais, 3. Et les arbis, les points arbis au passage, il m'en manque 9 au total, 3, 6, 9. Et je crois qu'il y en a 5 par zone. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28 et 3 au village. C'est ça, ça ferait 5 par zone. Dans les plaines, j'en ai déjà eu 3 ou 4. Donc je crois qu'il m'en manquerait un Zarbi dans les plaines. Kadabra, c'est par échange. Oui, oui, ça oui. Mais est-ce que je peux quand même essayer de squeezer un peu? Je sais pas. Ou alors je capture le Kadabra baron. Il y a un Kadabra baron dans le jeu. Un Alakazam baron, pardon. Et je disais quoi? Oui, j'ai besoin de chercher des flammes. J'ai besoin de chercher un. Il y a un Zarbi. Je suis sûr qu'il y a un Zarbi qui me manque ici. Il y a un Zarbi qui manque. On va bien voir. Mais avant ça, donc il y a des colis partout. Et je cherche un caillou spécifique qui me ferait ici dans la zone. Qui permettrait de faire évoluer mon Evoli. Quelque part. Ah oui! Attendez, je crois. Je me souviens d'un truc. On va contourner l'eau là. Là-bas. Salut Ronflex. Ronflex, j'en ai pas. J'ai pas de Ronflex.
Il faut le nourrir en plus, comme quoi. Bon. Mon flex n'est pas très très content. C'est bon. Il ne m'a plus vu. Sérieux? Et voilà, j'ai balancé deux trucs dans le vide, mais c'est pas grave, j'ai eu mon ronflex. Ronflex, c'est fait. Et en plus, il faut attraper des barreaux. Ronflex, c'est fait. Je sais pas combien il y a de Pokémon au total dans le jeu, mais ça serait une bonne indication en fait. J'ai enregistré 180 Pokémon, j'en ai attrapé 141, et je ne sais pas combien il y en a au total. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Le Simiabras à côté, là-bas, ça serait bien de l'attraper aussi, mais il est de niveau hyper élevé. Pitosaur, j'en ai. Allez, Simiabras, c'est fait. Un Pokémon supplémentaire. Bon, où est le caillou que je cherche, moi, déjà? Je m'en souviens plus vraiment. Ça, c'est quoi? Il y a un baron, là, c'est quoi? C'est un grand lap-oreille. Allez, bloc pain, c'est fait.
pas ce caillou là. C'est un caillou qui était un peu caché quand même. J'ai pas la reine des abeilles aussi, j'y pense là. Je l'ai pas. La reine des abeilles. J'en trouve une. Par là, normalement, il y a des ours. Où sur la carte? Attendez, je suis derrière. J'ai vu qu'il y a un collier pas loin de moi. Je l'ai vu. On descend. Il y a un truc qui m'intéresse. On descend. Ah d'accord. Ah c'était pas prévu ça. Alors, ouais, on se moque pas. Nosphère petit, j'en ai. Nosphère alto, je sais plus. Bah tiens, en parlant de Nosphère alto, dans le doute. Je sais pas qui m'a aggro, mais c'est pas grave. Punaise! C'est un Nosferapti qui m'a aggro. La musique avec la flûte de pan. Ok. La musique me fait énormément penser au bassin de Cholazar dans World of Warcraft. J'adore cette zone. Oh, une flamme! Bah tiens! Comment j'ai fait pour pas la voir, celle-là? Allez, je la prends. Il en restera deux dans les plaines. Comment j'ai fait pour la rater, celle-là? Oiseau qui se baladait tout à l'heure là. Ah il est là. Alors c'est quoi ce gros oiseau? Ah mais c'est ça, mais j'en ai déjà. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, j'en ai déjà. Là-bas il y a le Léviator volant. Voilà, le Léviator volant il est en face.
On va peut-être aller jeter un œil dans la faille après. Maintenant là. Pas retrouver le caillou que je cherche. Hein. Je sais pas où il est. Hein. Je ne sais plus du tout où il est. Salut Galopa. Salut les Ponita. Où est ce fichu caillou? Allez, c'est parti. YOLO! Ah, y a rien. Dans la liste là, des Pokémon qui me manquent, que j'ai besoin dans à travers les failles soit des évolutions de starter soit de Porygon 2 je crois parce que j'ai Porygon et Porygon Z. J'ai Porygon ça c'est sûr et je sais plus si c'est le Porygon Z ou Porygon 2 que j'ai déjà et donc il me manque l'un des deux ensuite. Non mais la faille, je suis dedans là, vous me mettez des Pokémon qui existent déjà. Que j'ai déjà. Je sais pas combien de temps. Ou alors elle s'est pas encore ouverte, elle est sur le point de s'ouvrir, c'est peut-être ça. La faille, personne ne peut me voir. Bon, en attendant qu'elle s'ouvre. Hop là. Où est le caillou que je cherche? Pas l'ancien Pokéball, c'est pas grave. J'ai pas un PNJ à parler aussi dans les plaines. À part dans l'histoire principale, il y avait pas de mission secondaire dans les plaines en vrai. Bar. Eh bien, hop là.
Ça, le Sérifleur, faut le trouver, il est quelque part. Les flammes. Bivouac de la friche, c'est au marais. La gratitude, c'est ici. Et ça, c'est pas là. Mais d'abord la faille. J'ai eu la notif comme quoi la faille vient de s'ouvrir. Électriseur, d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? J'ai pas vu ce que c'était. Non, je crois que je l'ai déjà. C'est l'angle, je l'ai déjà. L'ours, je l'ai pas capturé. Ok, Ursa Ring, c'est fait. Onyx, je m'en souviens pas. Pierre soleil. T'es dans la faille, monsieur? Ah non, Théodore, de là. Salut, Saring. Caillou là. Ah punaise, le chat il m'a vu. Les excellents et leur évolution. L'évolution du excellent, c'est plus si je l'ai. Ouais, coup de langue, je l'avais déjà attrapé. Excellent, je sais que oui. Oh punaise, des silix. Ça j'en ai pas par contre. Niveau 60. Ok, l'autre qui m'observe, nickel. Bug. Ok, ça c'est fait. Désolé, Mr. Spot. Oh, il résiste, trop bien. Je vais attraper le deuxième, hein, tant qu'à faire. Ok, ça c'est fait. Une peau métal. J'aimerais bien avoir le Onyx. Je suis pas sûr d'avoir déjà capturé un Onyx. Vraiment pas sûr. Il y a un Evoli. Ouais, il y a le coup de langue.
qui m'a aggro. Ah, elle s'est bat. Oh, je suis. Bon, il y a eu un peu de capture, c'est pas mal. On va reparler à la madame là-bas. On va reparler, on va parler tout court à la madame qui va nous donner la quête du légendaire, du hérisson plante. Elle est où? Elle est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Quand j'étais petite, je me suis perdu dans les plaines obsidiennes. Alors que je errais en pleurant en chaudes larmes, j'ai découvert un joli champ de fleurs. Et je suis tombé nez à nez avec un Pokémon que je n'avais jamais vu auparavant. Il m'a offert une fleur et s'est mis à marcher comme s'il voulait me guider. Figure-toi que grâce à lui, j'ai pu rentrer chez moi sain et sauvé. Mais je n'ai jamais pu le remercier comme il se doit, j'aimerais tellement le revoir. Seulement, je n'ai jamais réussi à retrouver ce champ de fleurs, c'est là que tu interviens. Ça doit être le truc tout cramé. Vous recevez une grâce idée. Une fleur que l'on offre en gage de reconnaissance, notamment à l'occasion d'un anniversaire. D'accord. Bah, je supposais qu'il est là. En fait, c'est la seule raison de pourquoi les fleurs là-bas, le champ de fleurs serait cramé. Et là, je me plante complètement. Bah tiens. On dirait le champ que Midi cherchait. C'est ici? C'est le champ dont je t'ai parlé? Les fleurs ont beau être fanées, l'endroit est exactement tel que je me le rappelais. C'est ici, j'en suis sûr. Mais c'est toi! Oui, c'est bien toi! C'est toi qui m'as sauvé quand je m'étais perdu! Grâce à toi, j'ai pu rentrer chez moi sain et sauf. Quoi, le voit? Merci, merci mille fois. Oh là, plein de fleurs partout. Ah bah, Shaimin. Merci beaucoup. Je penserai aussi à remercier Risa de m'avoir parlé de toi. J'imagine que tu vas mener des recherches sur ce Pokémon à présent. Bon courage, à bientôt. Où est-ce qu'il est? Il s'enfuit. C'est barré. Alors je veux bien que la capture des légendaires soit compliquée, mais quand même. Shaimin. Je le vois même plus en fait. Faut peut-être que je revienne une autre fois. Mais il m'avait en aggro direct donc. Là, j'ai pas la strat pour le capturer. Honeypot.
Je le vois plus, hein. Ouais, je le vois plus du tout. Il est peut-être ailleurs. Hein. Il y a aucun tag. J'ai mis la quête en suivi. L'ennemi n'est pas là. Bon, on sait que c'est ici. Donc là, petite. Qu'est-ce qu'on va marquer ? On va mettre une Pokéball, voilà. Ensuite, où va-t-on ? Ah oui, mon caillou. Mon caillou de Evoli. Mon caillou de Evoli. Je crois qu'il est de l'autre côté. Ou au centre, peut-être. De l'autre côté. Je pense que c'est vers le grand arbre. C'est une espèce de pierre mouchée. Là c'est l'arène. C'est pas là que je cherche. Arrête de t'accrocher à tous les arbres. Là-bas, on va vers le tunnel, donc c'est pas par là. Hop, 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 attention à la chute. Je vois plus rien, je ne vois plus rien. Thank you.
peut le retrouver, hein. Ce caillou là, là je le vois. C'est ici. Allez, évolution d'évolution. Voilà Philali. Bien. Ça, c'est fait. Il me reste Noctali, Mantali, Nymphali dans les évolutions. Maintenant, je suis à la recherche avant de poursuivre l'histoire. Je pense du Zarbi qu'il me manque par ici. Et pour ça, je cherche un barrage, je crois, ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Ce serait pas là? Bah tiens. Bah tiens. C'est ici. Ah bah il est là, je le vois. Il est là. Normalement là, j'ai tous les arbis des plaines. Ok. Il me manque deux flammes que je n'ai pas ici dans les plaines. Deux. Ouais. Deux flammes et le sériflore. Faut que j'aille chercher le sériflore aussi. Mais avant ça, petit colis, je sais que j'en ai croisé un par là apparemment. Voilà. Morningstar, il y a quelqu'un qui s'est pris pour Sabrina. Et là-bas, il y a un colis aussi. Ah, je le vois. Et on va tout droit. Mon évoli, enfin mon filali. Ici. Et toi, tu reviens dans mon équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça, il manque Nymphali, Noctali, Mantali. Mais pour les faire évoluer, j'ai besoin de qu'ils soient amis. Donc non, je dois laisser Boscara tranquille. Je vais les faire un par, hein. Comme ça, voilà. Évoli prendra de l'XP. Point boîte. Petit point boîte. Ça sort. Hop là. Tac, 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 et tac.
Et ça, la graine maîtrise, je ne m'en sers vraiment pas. Y a rien à vendre. Y a rien à vendre. Ok. Allez, on va voir Père Cupio. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ah, des ruines? Des motifs qui ressemblent à des... Oui, est-ce que je les vois? Oui, je les vois. On dirait de vieux pictogrammes, mais moi je pense que ce sont des lettres. Et après avoir exploré toutes les ruines, je crois avoir réussi à déchiffrer ces textes. Il raconte l'histoire d'un héros qui est, avec l'aide des Pokémon, parti à la recherche des fragments d'une divinité toute puissante. Ben, les plaques. Donc Arceus. Ces fragments appartiennent à un être qui a créé l'univers. Son nom est Arceus. Tu as déjà entendu ce nom, n'est-ce pas? Évidemment que tu le connais. Ce nom ne peut pas être étranger au héros qui a suivi ici. Et en ce qui concerne les fragments, il s'agit de plaques. Tu sais, ces plaques que tu as récupérées en apaisant les monarques notamment. Il y a des inscriptions gravées au dos de chacune d'entre elles. Je te conseille de les lire attentivement. Vous lisez les inscriptions. Seul l'être originel respirait avant que l'univers ne soit. L'être originel en question désigne en réalité Arceus. Nous devons absolument réunir toutes les plaques. J'ai d'ailleurs une petite idée d'où commencer les recherches. Rejoins-moi au bocage agité. Il a la chaussure qui bug. Il est nerveux. Sur les plaques, j'en ai combien moi des plaques? J'en ai quelques-unes déjà. Des plaques, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. J'en ai 10. Je crois qu'il y en a 18 au total. Il nous manque toujours deux flammes. Hein. Deux flammes. Et un sériflore, mais bon, ça. Alors. Ah, une apyrène, baronne. Bah, je voulais la capturer, ça tombe bien.
Ah, punaise, il a mis KO. Ah, zut. Bon. Il va falloir que je mette du miel dans mon roster pour faire évoluer. Et vous obtenez la plaque rock. J'ai juste vaincu une... D'accord. Puis une plaque rock, d'accord. Très bien. La gratuité. C'est la seule plaque sur laquelle j'avais des informations. Et comme il ne s'est rien passé à l'obtenant, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. C'est pas lui qui l'a mis KO, c'est toi. Oui, mais je pensais que ça allait passer, en fait, voilà. Du coup, je ne vois plus qu'une seule personne à qui nous pourrions nous adresser. Le professeur ? Ah, pensez à. Direction, le hameau perdu. Le hameau oublié. Bon. Je vais aller me heal. Il y a un colis là-bas. Il manque deux flammes, hein, j'insiste, hein, il me manque deux flammes, c'est juste pour pas que j'oublie. Les arbis, je suis sûr que les arbis de cette région, c'est terminé, je suis sûr. Ah, je vois le colis, il est là. Il y en a un en face. Ah non, il est plus là-bas le colis, pardon. Et il faudra retourner voir Shaimin. Shaimin que j'ai pas capturé. Gagner un peu de temps, je pense. Ah, oh, quoique là, je suis à mi-chemin. Bon, où est-ce qu'il est ? Il est où ? Il n'y a pas de Shaimin ? Bon, je sais pas quelles sont les conditions pour le refaire hip-hop, mais voilà. On sait où est Shaimin, normalement. On sait où est-ce qu'il devrait être. Il y a une flamme par là. Ils en ont pas mis une au bout du monde. Non, brouillard de guerre.
pas une là par hasard de flamme. Ça m'embête qu'il me manque deux flammes dans la région, je les ai ratées. Hein. Deux flammes, ce sera pour une autre. Où va-t-on? Le professeur, attends. Professeur. Oui, on fait le rapport. J'ai capturé deux sardines. Il faut beaucoup plus de points là pour le niveau supérieur. Ça va être difficile hein. Est-ce qu'il y a des missions secondaires? Oui, il y a des missions secondaires. Bah, je suis un hippote, tiens donc. Mais c'est la 10 en plus. C'est la mission 10. D'après lui, Jean Charme ne serait pas un Armulis, mais un blind Alice, n'importe quoi. Tu le crois, Jean Charme est clairement un Armulis, ça saute aux yeux. Ah bah... Toi qui collabore à l'offre, blabla. Est-ce que je veux... D'accord, tu veux un Armulis. Est-ce que j'en ai un? Apparemment oui. Exactement les mêmes. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils ont un poil différent. C'est quand même fou de penser que deux Pokémon si similaires appartiennent à des espèces différentes. Qui l'eût cru? À cause de mon ignorance, je t'ai donné un nom qui ne te correspond pas du tout. Je suis désolé, j'espère que tu voudras bien rester mon partenaire malgré ma bêtise. Mon charme, tu es vraiment le meilleur. Je ne pouvais pas rêver mieux que de t'avoir comme partenaire. Allez, mission. La 10. Ok. Où allons-nous? J'avais des choses à faire au marais. Il y a des nouvelles missions d'ailleurs. Il y a des nouvelles missions aussi à Frimapic. Bon, on va aller voir d'abord la madame. Il n'y a plus personne.
tu as accompli ta extraordinaire. Je constate que la chaîne rouge t'a été bien utile. Tu as pu remplir ta mission. Mais que faites-vous ici? Avez-vous à nouveau besoin de moi? Arceus, les plaques, les plaques. C'était il y a fort longtemps, 1000 voire 2000 ans de cela. Arceus était un Pokémon vénéré par l'ancien peuple de Sinnoh, mes ancêtres. Il était considéré comme celui qui donna naissance à la région de Hisui. Les plaques seraient des parties de lui qu'il confia aux ancêtres de Hachécateur, de Serbilin et des autres monarques. Je pensais que vous pourriez peut-être nous en apprendre davantage sur Arceus et les plaques. Je n'ai malheureusement pas plus d'informations, le savoir sur Arceus est perdu avec le temps. Sinon, tu penses bien que les clans Diamant et Perle n'auraient pas confondu Dialga et Palkia avec Arceus. Pourtant, cela pourrait nous aider à comprendre la venue de Jake à Isui. Je comprends. Maintenant, dans ce cas, je peux peut-être vous aider. Isui abrite encore bien d'autres Pokémon extraordinaires. Je ne sais s'ils ont un lien avec Arceus, mais peut-être vous permettront-ils de progresser dans votre quête. Bien, tu peux m'interroger, je te dirai ce que je sais. Les trois lacs, le volcan, le croissant lune... Bah, vous avez qu'à me donner plein de choses. Bon, les trois lacs. C'est vrai que je suis pas retourné là-bas. Tu connais déjà les Pokémon des lacs, ce sont eux qui t'ont permis de récupérer la chaîne rouge. Tu les remercieras, mais surtout, tu leur montreras la force que tu as acquise. Mission des lacs. Je suppose que tu as compris que le volcan en question est celui de l'île de Crash-Feu. D'accord. Bon, les trois lacs, on sait qui c'est. Volcan. Ça doit être Etran, peut-être. Le croissant de lune. La lune, une arène, je suppose que tu comprends, commence par te rendre au contrefort couronné. Là, je sais pas vraiment qui ça peut être. Le colosse du temple. Bon, bah ça, voilà. Il faudra ouvrir la porte scellée, on s'en doute. Et enfin, le commencement. Serait-ce le tien? Où as-tu fait tes premiers pas dans la région? Bah, sur la plage. La plaque de la plage. Bon, on va direct aller là-bas. On a récupéré plein de quêtes. À toi de nous prouver que t'es à la hauteur. Depuis l'ouverture de la faille spatio-temporelle, des Pokémon qui ne se montraient jamais sont soudainement apparus dans notre monde. Prends garde, courage à toi, tu en auras besoin pour compléter ce que tu nommes Pokédex. J'étais sûr que l'on pourrait compter sur vous pour obtenir des informations utiles, Persipensia. Partons à la recherche de ces plaques. Pipio, il m'inquiète beaucoup. Pipio m'inquiète vraiment de plus en plus. C'est bien ce que je pensais, la clé vers Arceus, ce sont les Pokémon. Grâce au message sur les plaques, on trouvera peut-être un moyen de rencontrer Arceus. D'ailleurs, j'ai ma petite idée sur la question, je vais donc continuer ce de mon côté. Rends-toi dans chaque lieu mentionné par Pensea. Quand je pense qu'Arceus a créé tout Isui, je me demande à quoi il peut bien ressembler. Ouais. Cormier ? Pensea m'a dit que tu recherchais des plaques avec Percupio, de la compagnie Ginkgo. Dans ce cas, rejoins-moi à la plage premier pas. Là, il va m'en donner une gratos. Dommage qu'on puisse pas mettre la monture ici. Il y a des PNJ sur la plage. Je t'ai déjà parlé à toi. Oh non, il est en tenue de combat.
Ok. La plage, premier pas, elle porte bien son nom. Tant de choses ont commencé ici. Je ne t'ai pas demandé de venir ici pour discuter, je suis là pour t'affronter. En garde. Punaise. 5 Pokémon. Un gros lemme. Au revoir Grolem. C'est vrai que j'ai pas capturé de Grolem, faudrait que je pense. Je sais qu'il y a un baron de... Un Ronflex, oui, le but du temps qui tombe. Non. Tu veux jouer à ça? Ah ouais, c'était utile ce film. C'était très utile. Pas brûlé. On va recommencer. Alors. Ouais, il y a quand même reçu pas mal de vie. Oh. Qu'est-ce qui vient de sortir? Une guerrière. Bah oui, c'est une guerrière. Là, on met KO. Ouais.
normalement c'est à mon tour. Pokémon ont beau être parfois effrayants, ils peuvent aussi devenir de puissants alliés. Bon, normalement, il m'a heal. Tu es encore plus fort que lorsque nous nous sommes battus au Mont Couronné. Je vois bien que pour toi, les Pokémon, bien loin d'être des ennemis, sont de précieux partenaires. Ils t'accompagnent où que tu ailles. Au fond, tu es peut-être une sorte de lointaine divinité. Prends ceci, tu l'as bien mérité. Et vous donnez la plaque, point. Il m'offre une plaque. Il avait une plaque. La plaque combat, quoi. Lardy et moi faisions partie des premiers membres du groupe Galaxy à avoir débarqué ici. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la plaque. J'ai ressenti une certaine force qui en émanait, j'ai donc décidé de la mettre en lieu sûr. À présent, elle te revient, alors que tu es tombé sur cette même plage. Quelle coïncidence. Finalement, toi, moi, Adamantin et Natacha, nous sommes tous guidés par l'entité appelée Grand Sinnoh. Peut-être que la région de Hisui devrait porter son nom finalement. Ah ben la réponse à la question. Voilà. Elle est là. Je sais que je suis mal placé pour dire ça, mais nous avons eu beaucoup de chance d'avoir une personne aussi douée que toi à nos côtés. Sans toi, nous aurions été défaits au Mont Couronné. Nous aurions perdu notre toit. Bah. Bien, va et poursuis tes recherches. Les connaissances que tu recueilles au sujet des Pokémon sont comme une lumière qui nous guide. Va vers notre avenir. D'après ce que vous avez appris, pensez à, il vous reste encore 4 plaques à trouver. 4 plaques. Est-ce qu'on peut les réorganiser, s'il vous plaît? Merci. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 16 au total, il n'y en a pas 18. D'accord. Okay. Tout le monde est... Il, c'est bon. Evoli. Il est là. Evoli, par contre, viens par là. Vu que je sais qu'il fallait que je monte un peu ton amitié. Viens. On va te parler. Voilà, t'es content, t'es heureux. C'est bien Evoli, gentil Evoli. Il est gentil, Evoli. Oh oui. Eh bien, il est mignon. Oh, un gros gros. Petit Evoli. Okay. Lac, les trois lacs et le volcan. Non, les trois lacs, c'est une seule et même plaque. Le volcan, c'en est une. Frimapic, c'en est une. Ouais, en fait, il y a juste à regarder l'émission. Hein. Plaque. Tous les lacs, c'est une plaque. Crache-feu, c'est une plaque. La lune, la reine de la lune, c'est une plaque. Frimapic, c'est une plaque. Mais je sais pas pourquoi. Il y a pas 18 types de Pokémon différents. Il y en a 16. Pourquoi je pense à 18? Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Où allons-nous? Où allons-nous? Alors attends, les lacs, il y en a partout. Crache-feu. Crash feu, je vais aller sur l'eau, je vais aller dans l'eau. Et dans la côte, sur la côte, point sur la côte, il me manque 5 flammes sur la côte, j'avais noté, 5 flammes. Ah, une cinématique. Cette fête entre les clans et le groupe Galaxy était une aubaine pour Graham et moi. Nous qui rêvions de pouvoir nous montrer ensemble devant tout le monde.
En fait, Jake, Garana a un petit service à te demander. J'aimerais aussi que tu m'aides, Natasha. En fait, il se passe quelque chose de préoccupant sous l'île Crachefeu. Sous l'île Crachefeu? On dirait que ça ne t'enchante pas beaucoup. C'est qu'il fait trop chaud là-bas. Je te signale que tu parles du lieu où vit Arcanin, le roi de l'île. Comment veux-tu te plaindre alors que j'en suis la gardienne? Garni. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça devant tout le monde. Oh, je suis désolé, c'est tout seul. T'as entendu? Rejoins-nous à l'île Crachefeu. Alors, les arbis et les flammes. Les flammes, j'en ai 5. Il m'en manque 5. Mais les arbis, je suis à 20 sur 28. Il me manque 8 arbis. Les arbis d'ici, je sais que j'en ai 3 sûrs et certains. La carte, s'il vous plaît. 3 sûrs et certains. Il y en avait un sur le bateau. J'en ai 4 sûrs et certains. Il y en avait un sur le bateau. Un sur l'arche. Sur la corne là. Un au niveau de l'arche. Un sur l'île. Et je crois qu'il me manque un zarbi dans cette région. Je crois qu'il m'en manque un seul. Un zarbi, ouais. Et 5 flammes, forcément. Si on voit des Pokémon aussi que j'ai pas forcément capturé, je vais essayer d'y penser. C'est pas gagné. Si, attendez. Il y a plein de barons que j'ai pas eu. Il y a l'évolution. Il y a lui en bas, là, le violet. Il est pas. Aïe. C'est un peu haut. Ils m'ont vu. Sérieux? Ah, il vient pour vaincre un autre. Bah, ça fait une tâche en plus. Il m'a vu. Les rapions faut les kill avec le feu, pas le spectre. Ouais, mais ça a fonctionné. Là j'ai peur de le mettre KO par contre. Voilà, et à partir de là, je peux lancer des Pokéballs. S'il brûle pas avant, hein, bien sûr. Ah,
Ok, ça c'est fait. Il va falloir... Alors je récupère le colis qui est derrière moi. Mais je vais aller me régénérer très très vite, je pense. Il est où le colis? Ah, il est là-bas. Ah oui, je le vois. Hop là. Bon, ah, je pourrais me TP à Lille, hein, en vrai. Par contre, il me manque un Zarbi. Où est-ce qu'il peut être? Et les flammes, hein, bien sûr, aussi. Il y a des flammes. Priez. Je puisse les voir. Lapidex, on l'a. Il n'y a pas grand-chose de ce côté de lui. Des levénards, j'en ai ou pas? Tiravi, oui, levénard. Levénard, je crois que oui, c'est l'euphorie que j'ai pas ici. C'est dans le but. Bon allez, on va aller sur l'île Crash. Madame. Arcanin semble s'être habitué à son rôle de roi. Il est capable d'utiliser la force frénétique à sa guise à présent. Acceptes-tu de l'affronter?
Mais il est re-engoldé. Pourquoi? C'est pas logique. Il devrait pas être engoldé, hein. Je veux pas que je lance un Pokéball. Ah, quand même. Ah, mais j'ai un timer maintenant. Ça, c'est dégueulasse. Un éclair perdu avant l'affrontement avec. Quoi? Que c'est toujours un évoli sur moi. Un éclair perdu avant l'affrontement avec Palkia. J'ai pas compris. Est-ce que tu te sens bien? Bah non. Je suis obligé de l'affronter. Vraiment. Mais non. Derrière moi, j'avais pas besoin de le... J'avais même pas besoin de le réaffronter, sérieux. C'était derrière moi qu'il fallait que j'aille. J'avais pas besoin de le réaffronter, je suis dégoûté. La raison de cet arcana. Oui, c'est logique. J'avais pas besoin de le réaffronter, je suis dégoûté. Non madame, je veux pas le réaffronter. Ah, bon, alors. Granny n'est pas là. Garni, pardon. Je crois qu'elle est partie voir Arcana. Elle m'a dit qu'on devait aller examiner l'hôtel de la Caldera. Mais elle sait pourtant que je supporte pas la chaleur, elle exagère. Je suis
sûr qu'elle ne pensait pas à mal. La gardienne du roi de l'île est bienveillante. Nous devrions aller. Nous devrions y aller. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un gros gros! Attention, on a de la compagnie. Ah d'accord. Alors monsieur, le Pokémon là, t'es gentil, mais je veux pas que tu m'attaques. Ça me suit! Je vais le mettre KO. Hein. Là, c'est l'heure des Pokéballs. Je vais me mettre KO. Ah non, mince. Ok, si, il me met quand même KO. Mais close combat, c'est efficace contre tous les Pokémon en fait. Là, c'est l'heure de l'hyperball. Voilà. La plaque fer du type acier. On dirait que la chaleur est un peu plus supportable maintenant. Entre Arcanin et Etran, deux Pokémon cracheurs de flammes, et le volcan, on peut dire que la chaleur était étouffante en effet. Mais comment est-ce qu'ils connaissent les noms de ces Pokémon légendaires qu'ils sont censés n'avoir jamais vus? C'est bizarre. Dis Graham, ça servait vraiment à quelque chose que je vienne? Je pense que oui. Après tout, tu es la chef du clan Perle et c'est admirable que tu viennes à la cour royale d'un des monarques quand il y passe des choses graves. C'est vrai? Je pensais que Garni voulait se venger pour les fois où je lui ai dit d'entraîner Kaninos. Mais non, voyons pas du tout. Même si parfois c'est vrai qu'elle peut être dure avec les gens qu'elle aime. C'est vrai qu'elle était gentille avec Kaninos, mais avec moi par contre... Merci beaucoup pour ton aide, je crois qu'il est temps pour nous de rentrer. Il me reste 3 plaques à trouver. Y'a pas de choses. Je récupère ça au passage, hein. On va pas laisser traîner les items par terre. Voilà. Et voilà. Bon. Même un Zarbi quelque part. Il n'y avait pas un colis ici? Non. J'ai vraiment l'impression d'aller plus vite, mais pas en vol. Le baron et Caillon, je l'ai capturé ou pas? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Luminéon, pardon, pas et Caillon. Il est censé être par là. Il est. Top, il est là.
Il m'a vu. Ah, qui m'embête. Il a des pop? Ah non, il a. Comment j'ai pu le rater? Bon, point Pokédex, Rapustin. Peut-être que je l'ai déjà, en fait. C'est Luminéon, elle. Luminéon. Non, c'est Écaillon. C'est Écaillon ou Luminéon? Écaillon, c'est le petit. Luminéon, c'est le grand. Ben, j'en ai déjà attrapé, en fait. D'accord. J'en ai déjà attrapé. Autant pour moi. Je vais me gaspiller des bols pour rien. Des cornèbres, par contre, j'en ai jamais attrapé. Ah si, j'en avais attrapé un. Michel Polnareff, je l'avais jamais attrapé non plus. Et c'est un baron. Ok, K-Morse, 1 sur 1, c'est mon premier. Mais non, mais... Je voulais que tu attaques, pas que tu ramasses l'algue, sérieux. Un fougleur. Voilà, ça c'est fait. Et là-bas, il y a une dernière évolution baron d'un des starters. On va voir s'ils attrapent. Il m'a vu.
Et voilà, Pangoléon capturé, ça c'est fait. Alors, les aquaquacs, j'ai un gros doute sur les aquaquacs en vrai. Mais vraiment. Il me voit de tellement loin celui-là. C'est pas grave. Là-bas, il y a un petit plouf baron. On va essayer de s'en occuper. C'est qui m'a aggro. Ah, les petits poufs capturés, c'est mon premier. Et les aquaquacs. Oh, il y en a un qui dort. Quoi qui m'embête, hein. Je vais vérifier dans le Pokédex quand même. En A. Aquaquac. Ah si, j'en ai déjà attrapé. Bon, on s'en va alors. Là-bas, il y a un oiseau. Est-ce que je l'ai, ce oiseau? C'est quoi comme oiseau? Si, c'est bon. Là-bas, il y a un petit Tiplouf. C'est quoi ça? L'évolution de Cradopo. Il y a quoi au-dessus ici déjà? Ah oui, il y a un lac. Il sert à quoi ce lac? Mais si, c'est un des algues. Non, c'est. Il y avait un zarbi là, que j'avais déjà eu. Ouais. C'est quoi celui-là déjà, ce truc? Y'a quoi là-dedans? La grotte du retour. Ça sera pour plus tard, je pense. Où allons-nous? Y'avait pas une. Je crois qu'il y avait une faille qui devait pop, mais elle a disparu. Bon, je suis toujours à la recherche d'un et de flammes aussi, j'y pense là. Il me manque 5 flammes sur la côte. Thank you.
On va régénérer tout le monde. On va poser les objets qu'il faut. Ça, on pose. On va lui vendre la graine maîtrise dont je ne me sers absolument pas. On va faire le rapport au professeur. Dix mille. C'est pas énorme. On retourne au village. Alors, où allons-nous maintenant? On a dit qu'il fallait aller au lac. Il y a un sériflore à trouver aussi là-dedans. Lame, ça c'est au marais. Shaymin, c'est au lac. On va retourner dans les plaines. On va essayer de retrouver Shaymin et on va au lac. Les flammes, il m'en manque deux toujours. Pas où elles sont. Je le vois, il y a Shaymin. Je le vois. Je vois plus du tout. Je vois plus. Il est niveau 70. Je l'ai capturé. Eh ben ça c'est fait. D'accord. En une hyperbole, j'ai capturé Shaymin, sérieusement. Très bien. Ok. Et il fallait rendre la mission, c'est ça? Non, elle était terminée. Ok. Il me reste que le sériflore, je ne... Sériflore, je vois pas. Donc direction le lac.
c'est forcément un combat. Ça, c'est pas cool. Niveau 70. Ah, cool. Dommage. À l'hyperbole. Capturé. Edin. Il reste encore deux des Pokémon protecteurs des lacs. Ok. Où allons-nous? Ça, je peux l'enlever. On va se heal. On va partir au marais. Alors, au marais, on a plusieurs choses à faire. Il y a une quête secondaire, mais pas seulement. Il faut aller au bivouac de la friche. Ça, pour l'instant, c'est pas. Le bivouac de la friche, il est là-bas. Donc, on va là-bas. Ce simulacre m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Pas un arbre. Apporte-moi un Pokémon qui connaît vivre à quoi. J'ai mon Mustéflotte en effet. J'ai plein de Psychoquacks. Allez, go, je t'en donne un.
Bah oui, forcément. Forcément. Ah, faut le vaincre. Oh, voilà, en fait. T'aimes pas l'eau en fait? Putain, 15 masse bol. Ah ouais. C'est gentil. Hein. Ok. Maintenant, on va au hameau là-bas. On va récupérer la quête secondaire. Est par là, par où? Derrière moi, directement derrière moi. Combien de flammes ici j'ai dit? 11. 11 flammes ici. Aller là, apparemment j'y suis. Oui oui, j'y suis allé, il y a des tarsales et tout. Il doit y avoir un zarbi dans le coin là, c'est pas possible. Il y a des ruines de partout, il y a forcément un zarbi qui se cache. C'est pas drôle sinon, c'est pas de zarbi. Un rhino? C'est un rhinocorne, c'est quoi? Ouais. C'est une des rhinocornes. Alors, attendez, attendez, attendez. Ah! Tenez, le petit zarbi. Il est là. Pas vraiment quels sont les arbis qu'il me manque ici en vrai. Je suis à 21 sur 28, il m'en manque 2 4 6 7, mais ouais. Je ne sais pas si je sais pas. Bon, point sur les rhinocornes, je sais plus si j'en ai. MNO PQR Rhinastock, j'ai rhinocorne, j'ai mais pas rhinoféroce. Ok. Et ma quête, elle est par là. Ce sont les ruines de la chaîne rouge. Oui, 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 mais... c'était lié à la cinématique et je me souvenais pas si je m'y étais vraiment arrêté ou pas. Là, il y a une... Là, il y a quelqu'un. Adamantin, qu'est-ce qu'il veut? J'ai trouvé un trésor. Ouh. Qu'est-ce que tu veux? Par contre, ce que j'ai... Oula. Oh non, non. Noctali, Philali, Aquali. 64. Hein.
Voilà. Ah, il est 32, ça va. Ça veut dire qu'Aquali il est pas. Ok, j'ai rien dit. Allez, quel est quoi ton trésor? Il me donne le trésor carrément. Un globe adamant. Ça permet à Dialga de changer de forme. D'accord. C'est tout? Il m'a pas soigné, hein. Faut que je retourne me soigner. Punaise. Bon, j'ai des choses à vendre. Il est où le vendeur? Ah, il est là. Je souhaite vendre 3 morceaux de comète. 45 000. Ça va. Et donc je vais supposer que c'est dans les objets rares qu'il m'a mis le truc de Dialga. Ouais, c'est ça. Ok. 10, 14, 13. Bon, on y retourne. On va s'approcher du hameau. Direction le lac Courage. Deuxième elfe.
Dommage. Créfodé attrapé. Très bien. Plus qu'un. Au lac des terres immaculées. Bon, les flammes et les arbitres de cette zone, on verra plus tard. Tant pis. Il n'y a pas de quête secondaire là non plus pour le moment, donc on repart directement ouais. On va j'ai battu Adamantin, je supposais qu'il faut battre Natacha en fait. Point sur les missions secondaires. Les flammes, le cauchemar. Le cauchemar c'est pas ici, c'est pas dans la zone. Donc quand j'ai que le truc principal et supposément battre Natacha. Ouais c'est ça, c'est elle. Trésor du camp Perle. La petite musique. Mais ah bah oui, il a eu 3 évolutions Adamantin, donc Natacha ça va être pareil. Donc elle, qui c'est qu'elle a? Mentali, Givrali, Piroli. Ok. Dommage.
Ah, oh, flûte. Mais j'ai mis un style rapide et je pensais que je l'allais rejouer. Normalement avec la brûlure ça va aller tout seul. Et au final c'est le Givrali qui va de pauvre en dernier quoi. Ah là là. Et voilà. C'est par la brûlure. Globe perlé pour Palkia. C'est ça, pour Palkia, ouais. Le grand sino, Palkia, ça me paraît logique, blablabla, bla bla, ok. Trois nouveaux morceaux de comète. On va au hameau, on se soigne. On vend les trois items là, les morceaux de coke. Non, non, je vais pas me reposer, non. Je veux faire des achats. Et donc vendre. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Je suis à 269 000 d'argent, c'est bien. Dans le coffre, on pose ça. Ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé, on sait jamais. Et maintenant, direction là de savoir pour le troisième elfe. Il y a toujours des grottes qui sont fermées. Dans les terres immaculées, il me manque des flammes et des argiles aussi. Terres immaculées. Il m'applique, il me manque 7 flammes. Il me manque 7 flammes. Et des arbis. Alors, les arbis d'ici. J'en ai eu un dans une galerie souterraine. Un sur des couches de glace. Les autres, je sais plus. Allez. On fait le dernier elfe. Et après, on fera une pause et on poursuivra cette chasse aux plaques et aux légendaires après. Belle fin. Sont pas fermés, faut envoyer un Pokémon dessus. Ah, je savais pas. Non, c'est ce que j'allais te faire.
peur de lui mettre trop de dégâts là. On va voir. Heureusement les doigts. La plaque Draco. Du type dragon. Plus que deux plaques. Allez, on va au bivouac. Avant ça, je veux juste aller ici pour casser cet endroit là. Je le savais pas. Oh, une flamme! Oh! Que 6, je le note. Ah ben, merci pour les tips, vraiment je là vraiment un grand merci. J'ai 3 arbis ici, attendez, il y en avait un sur le truc du milieu, donc il m'en manquerait un ou deux, soit un soit deux. Ouais. Allez, on se heal. Niveau item. J'en suis où? J'ai des choses à poser, j'ai un truc à vendre et j'ai plus énormément d'hyperbole moi. Bonjour monsieur. Je voudrais te vendre ça. Et je vais poser dans les sacs certaines choses. Ça. Ça, ça. Ok. C'est pas forcément évident, mais il faut penser à envoyer un Pokémon sur tout et n'importe quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, clairement, je n'y aurais absolument pas pensé. Mais vraiment pas. Alors, côté craft, il me faut des hyperboles. Là, vraiment, je suis à la dèche d'hyperboles. Je peux en faire 6. Allez, c'est toujours ça de fait. On va en acheter, j'ai un peu d'argent. Non, je vais pas me reposer, non. Ouais, c'est pas mal. Point Evoli. Evoli, il est 39. Et j'aimerais le faire évoluer en l'une des 3 qui me manquent. Et je sais plus comment on fait. Donc on verra plus tard. Je ne vais pas à la base. Je ne vais pas ressusciter. Parce que là, je vais aller dans le temple. Prochaine étape, c'est aller dans le temple. Pour aller, sûrement, il y a l'histoire des golems. Pour la quête de Saint-Lin, là. La plan Saint-Lin. Tac. Donc, voilà. Je vais essayer de trouver un endroit avec de la musique. Dans les hameaux, il y aura plus de la nuit. Les onigiri, je les ai. Se coupe si je suis pas en vol. Sérieux? Voilà. Allez, je vous laisse là en pause. Je
reviens après la pause et on attaquera cette histoire de temple. Ouais. Et on verra ensuite ce qui me manque. J'ai noté hein, sur mes post-it 2-3 trucs qui me manquaient à faire. Dans les missions que j'ai ratées, je sais que j'ai un truc à faire des Monsieur Mime. Dans les missions que j'ai vraiment ratées. Il y a une histoire des Leuphories. Il y a une histoire des Eoko qui sont là-dedans aussi, je crois, il me semble. Ils sont là-dedans, faudra jeter un oeil. Allez, je reviens. Ah, attendez, 89-90, c'est fait. Je peux les barrer. Je reviens après la pause. Restez là, ne bougez pas. YouTube, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous. La suite demain pour YouTube. Rejoignez le Discord, c'est important. Et Twitch, à de suite. Voilà. YouTube cordialement, bisous. Twitch, restez là.